Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet grave, d'un sujet sérieux, d'un sujet qui peut toucher chacun de nous. Souvent pendant l'été, les salles de muscu ferment. Ça peut aller de 1, 2 jours jusqu'à parfois une semaine. Et j'ai dû en faire la triste expérience. Je tenais donc à faire cette vidéo pour vous montrer les épreuves par lesquelles je suis passé et pour vous expliquer que vous n'êtes pas seul. C'est parti, boum. Bon les gens, on est le 28 juillet, il est 7h du matin, je suis encore crevé, je viens de me réveiller. Premier jour de fermeture de la salle. On est lundi donc, aujourd'hui j'étais censé faire les pecs. Mais bon, il va falloir être fort et il va falloir tenir le coup, voilà. Journal de bord, Thibaut InShape. Deuxième jour sans muscu. Physiquement, par rapport à hier, je me sens un peu plus faible, j'ai perdu 1 kg sur la balance. J'ai pas eu la force de prendre mon shaker de caséine hier avant de dormir. Donc bon, on espère que c'est juste une passade. Psychologiquement, je commence à perdre mes repères comme si j'avais pas de but, comme si j'avais rien à faire. Mais voilà, il faut rester positif. La santé est là et c'est le principal. Troisième journée sans muscu. Je me sens vraiment affaibli, je viens d'entrer du travail et je crois que j'ai vraiment passé la pire journée de ma vie. Par rapport à hier, j'ai perdu 15 kilos sur la balance en un jour. On espère que ça va pas descendre plus, mais j'ai plus la force. J'ai plus la force de bouger. Je tiens juste à dire à mes proches que si je n'arrive pas à m'en sortir et qu'ils voient la vidéo de... que je tiens fort à eux. Quatrième jour sans muscu. Il doit être 8h ou 18h du matin, du soir, je sais plus, je suis perdu. J'ai l'impression d'avoir perdu tous mes repères, je sais pas où je vais. J'arrive plus à dormir et j'ai juste envie que ce que je meurs se termine. Comme la caméra, putain. Cinquième jour sans muscu. Désolé pour hier, je sais pas ce qui s'est passé, c'est les nerfs qui ont lâché. Aujourd'hui, j'ai réussi à sortir de chez moi. Et j'ai croisé deux personnes, j'ai croisé deux amis à moi dans la rue qui m'ont dit que. Qui m'ont dit que j'avais perdu des bras. Donc, honnêtement. Je me confie à vous, mais je sais pas si je vais. Je pense pas que je vais réussir à tenir 2 jours de plus. Je pense qu'il est temps d'en finir. Mec, mais qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Dégage de là! Ah, excuse-moi, oui, ok, pas de soucis, pas de soucis. Oh. Ok, bon, j'ai peut-être exagéré le truc un petit peu. Plus sérieusement, c'est pas avec une semaine de repos que vous allez perdre tous vos gains. Si vous sentez que vos pertes n'augmentent plus, que à la salle vous battez vos entraînements, alors oui c'est important, voilà, de faire des semaines de récup de temps en temps. Une semaine ça suffit largement pour ensuite repartir à fond et y aller en forme à la salle et tout démonter à la salle. Et voilà les gens, la vidéo est terminée. Dans tous les cas, on se voit très vite. Vous avez toujours 6% et 10% de réduction sur les compléments alimentaires et sur les t-shirts No Pain No Gain. Les liens sont dans la description. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Mettez un petit j'aime en bas de la vidéo. Abonnez-vous. On se voit très vite. Cassez tout la salle, démontez tout la salle. Vous êtes les meilleurs. Boum!